Donc toujours on est vigilant sur franchissement de ligne, surtout pour toi et toi. La jointure rouge-vert Oui, là. le joint, oui. Le joint. Et puis voilà. Moi aussi je vais passer par là de toute façon. Bon, on va tous passer par là. Faire quoi? J1? J2? Ouais, là, faire gaffe à la jointure H2 là, à peu près là. Ouais. Rouge et vert. Ouais. Deux Allez hop, IS3. on fait un bon match. Ouais, double IS-3, donc ça peut arriver très vite. Le T32 devrait être en support, donc faut claquer les IS-3 rapidement. Ouais, du coup, je vous supporte sur les tirs, hein, puisqu'il n'y a pas 50-100. C'est ça, ouais, tu nous aides à péter les chars low life, quoi. Surtout. Moi, j'essaie d'encaisser un maximum. Et puis, piéto dans une zone retranchée, si jamais il y a un truc un peu mauvais qui se passe, hein, et toi dans une zone retranchée avec l'appui de Titi, voilà. Oui, dans mon trou. Ok, Titi, tu fais le visionnage Tout check. général. Ouais, moi je suis en check en détection. Visionnage général, c'est ce que t'appelles ça? Vue large. Ah, mais j'ai pas le mode, moi. Ah, tu l'as enlevé? Ah, je l'ai enlevé, ils nous ont fait Complètement. chier avec. Je l'ai enlevé. Bah non, c'est autorisé. Ok. Donc c'est bon pour la colonne 3 et tout. Je check la rue en Donc. travers en E2 là. C'est des trucs qui se pètent. De toute façon, bah, à mon avis, vous nous arrivez par une des trois rues. Ouais, ils vont attendre, hein. Pas Ici. forcément intérêt à rusher. Non, non, non. Surtout, pas tout de suite. Ouais. Attends pas un peu, ils vont être curieux à un moment donné. On joue la camp, hein. Patrick Glorieux. Pas une question d'être glorieux, c'est. Au début, on observe, on utilise notre. Les capacités tactiques de ce côté-là. C'est-à-dire qu'ils ont deux chars très rapides, alors si on se fait déborder rapidement par les IS-3, on y passe. Donc l'idéal étant de choper un char à découvert. Le problème, c'est que si je User in repair, time down. me projette du côté de l'église, faut que vous projetiez aussi avec moi. Donc on va être tous en mouvement. Parce qu'entre vous, entre votre position et derrière l'église, vous n'aurez pas de zone de tir. Mais je pense qu'ils le prennent comme un gros challenge au niveau de cette Oui. bataille. Bon. On tente un move à 6-0-0 ou pas? Ouais, on se regroupe avec toi. Ouais. 6-0-0. Tout le monde à l'église avec moi. Passer par derrière, par la position des taux. Ouais. Allez, allez. Bah venez, hein. Bah, je suis à 6-0-0. Bon, bah ce que vous allez faire, c'est que vous allez me suivre. Je vais passer par l'arrière de l'église. Faut tout le temps que vous m'ayez dans votre canon. Hein? Dites-vous ça, à partir de là. Ok, je check les rues sur ma droite, les unes après les autres. Attention. Premier check. Avance pas trop près de moi et tout, laisse-moi le temps de reculer si jamais y a du monde. Ok, première rue. C'est bon? Oui.
Première rue, c'est bon. Je vais tester la deuxième rue. Deuxième rue, ça peut être chaud par contre. Voilà, c'est ça. T32. Okay. 32 dans le trou. T32 dans le trou, donc il va nous faire chier. Ouais, donc négatif. J'aimerais bien savoir s'il y a quelque chose dans la position à cet endroit-là, l'angle là, tu vois. Je vais regarder. On va remonter sur tous ensemble. Sur pas de canon, hein, juste par si t'es spoté. Ouais. On remonte tous ensemble, on reste tous dans la même rue. En cas de contact, de toute façon, faut qu'on protège le 50-100. On est directement sur le machin au cas où. Parce que là, on a que le T32, donc on a que leur pivot, on a pas le. T'es pas spoté? Ouais. Non. Attention, je. Moi, je le fais avant arrière. Si. Ouais, s'ils y sont. Ok. D'accord, c'est la camp. Il se passe quoi en cas d'égalité? Je sais plus. Non. Ça change d'un format à l'autre, je sais jamais. Écoute, mettez-vous tous les deux. Il faut toujours qu'il y en ait qui contrôle en haut, donc je... On sépare pas toi. En reste pour qu'on soit focus sur les missiles, faut qu'on soit au même endroit à peu près. Attendez-moi alors. Et là le problème c'est que des deux côtés ils sont en mode snipe dès qu'on décale, donc moi j'ai pas trop envie d'aller les chercher. On peut descendre le T32 sinon. Sur tous les trois sur le T32, y'a quoi visible? Y'a un bas de châssis ou que vraiment que la tourelle? Elle est dans le trou. Ouais, que la tourelle est dans le trou. Oh, ouais. Donc c'est très emmerdant. Alors attends. Je vais essayer un truc. Est-ce qu'éventuellement on peut pas te coller au niveau de la fontaine et tout? Ouais, je vais. On va refaire le tour. On va reculer. Hein. On va reculer à l'église, on envoie Eto à la fontaine. Et à partir de sa position, on voit s'il bouge ou pas, quoi. Tu restes juste derrière moi, Titi. Ouais. Eto, tu prends le temps de faire ton move. Par contre, je check l'arrière de la. T'es obligé de passer par tout l'arrière pour aller jusqu'à la fontaine? Tu peux pas passer le. Ça a eu les chances de prendre des coups quoi. Long du bâtiment. Oh, voilà. Ils ont avancé. Attention, ça bouge. Ok, on va sur le T32, Titi. J'arrive, hein. Je suis allé voir. Ah, ils ont pris toutes les positions de camp en fait. C'est pas la peine de bouger, les gars. Vas-y, vas-y, on peut pas attendre là. T32, là. Ouais. Ouais, ce qui va se faire défendre. Voilà, tu peux le finir? Non, j'arrive pas à l'avoir. J'arrive pas à l'avoir. Hein. Barre-toi alors, barre-toi. C'est bon, reload. Ok, bien. Reload, bien, on tempo. On tempo, on tempo, on tempo. On ira sur l'IS3 de derrière. Ok, ok. Circuler ou il est toujours à l'angle, l'IS3 exactement? T'arrives à voir, tu peux me dire, Aircon? Par contre, faut. Non, il est toujours à l'angle. Faut que j'essaie de libérer un peu de pression. 26 secondes, 26 secondes. Ah mais faut que je libère un peu de pression de tir, y'a un des IS3 qui bouge. Reviens. Affirmatif. Ouais mais bon. À un moment. Tu peux aller te le mettre en duel Titi? Ouais je vais me le faire. L'IS3 à 100. Il a pris 400 PV. Je me prends un. Parti. Ok, je me prends le duel avec l'autre. Tu me dis quand c'est bon? Il se regroupe dans la même rue, hein, Titi. Va sur lui, ouais. Va sur lui. Moi, je maintiens l'autre. Tu pousses bon. Dessus, hein, qu'il soit encore pas. Deux. Ils sont à deux. Attends, Titi, attends. Ouais, j'attends. Attends, Titi, attends, je prends le coup. Je vais m'assurer que les canons sont bien toi, vers Titi. Moi. Non, non, je les verrai. Ouais, merde. Ok, s'il remonte vers toi. Fais celui à 94, je m'occupe de l'autre. Vas-y, lâche ce que tu peux sur l'autre IS3, j'arrive derrière. Ah merde. J'arrive derrière. Je suis en reload. T'inquiète. Je garde les traits du canon, profites-en. T'inquiète. Ah non. Oh putain. Il va me finir. Hein. Ah, c'est bon, je peux le finir. 400, 1000. Tout avant. Allez, voilà, profite du creux si jamais il rush. Exactement. Ouais, c'est bon. Peut pas m'échapper.
Nickel. Parce que moi j'avais que des angles de merde, j'ai rien fait, j'ai mis 400 de Non, mais à la limite, c'est pas plus mal qu'on ait fait ça parce que ça leur a permis, ça les oblige à.